Aujourd'hui on est samedi, à mon avis il va y avoir du monde. En espérant que les gens aillent à Saint-Malo, à Dinan. On a combien de kilomètres? 20 km. 20 km? Bah c'est bien, on n'est pas très loin. Non. Bah ça va aller vite aujourd'hui. Ouais ça va être bien aujourd'hui. Je préfère attendre. Donc aujourd'hui on va Plougrescamp. Il y a quoi de particulier à voir à Plougrescamp? Bah t'as les granites roses là. Ah ouais. Les falaises de granit rose. Je crois que t'as un phare aussi avec des granites. Ouais c'est ça, c'est les granites roses avec le phare derrière. Je crois que j'avais vu les photos. Et après c'est Ploumana Perros-Guirec. C'est la côte de granit rose. Ouais ça va être un peu comme hier, il devrait avoir du vent. Ce que j'espère c'est qu'il n'y ait pas trop de pluie comme hier. Parce que c'était vraiment... C'était en pleine tempête hier. Et encore on dit... Hey, en plus on dit en pleine tempête, mais en fait c'est rien en fait. Rien, hein. C'est le fait que tu es en bord de falaise, en bord de mer, forcément ça... Conditionner toute aide publique à une entreprise au fait qu'elle ne licencie pas. Mettons la question sociale au cœur. Nous mettons la rupture avec les instituts. Bon, c'est sympa. Ouais, c'est sympa aussi. Hein. Ouais, pas de circulation. C'est particulier. C'est la nature. T'auras un problème de GPS parce qu'à chaque fois là, il nous fait passer sur des pleines petites routes comme ça. On aimerait bien avoir un petit peu d'autoroute pour gagner du temps, mais des fois on passe des chemins, on peut même pas passer de voiture, c'est un truc de fou. Paul, magnifique qu'elle représente, le fait qu'elle est une femme et au Panthéon, il y a quasiment que des hommes. Alors là, on va où là? Mais ça faisait partie. Parce que j'avais dit que ça allait être des coins comme ça. Probable, on a des. Tu serais pas venu. Bon, si. Avec les enquêteurs mobilisés. Ouais, con. Mais c'est chaud. Bah, alors encore, là, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de circulation. Mais également les négociateurs. Waouh, il y a la maison, elle est là. Rechercher dans son passé, dans son activité numérique, des éléments permettant de. Petite quoi? Petite montée d'adrénaline. Surtout quand c'est pas ta caisse en plus, tu vois. Ah, c'est vrai que les routes quand ici... Quand c'est ta voiture, tu t'en fous. Les routes, elles sont... c'est des toutes petites routes. Et des fois, tu arrives à passer tout juste de bagnole. Donc, on est arrivé. Ça, c'est très bien. Il y a le service Lagrange qui vient de m'envoyer un message. Service Lagrange, confirmation de votre checking. Ah, c'est ça? C'est bon? C'est ce que j'attendais. Parfait. On sait où on va dormir demain. Donc, on vient d'arriver au site de les gorges. Attends, c'est quoi la gorge? Le site du gouffre. On va se balader le long de la côte, là, peut-être, ouais. Tout ça. J'avais compté 3 heures. Hein. Ah ouais, quand même. Punaise. En tout cas, le temps, il est nickel. C'est moi, quand tu pars tout. Bon, on est toujours à Ploumanac. Plougrescamp, rien à voir. Il y a beaucoup de vent. Donc j'ai gagné ma journée, je me suis cassé la gueule et j'ai explosé mon objectif. L'objectif, il est explosé. Je l'ai tué. Du coup, il me reste une focale fixe, un 30 mm. On va partir vers Perros-Guirec. On commence à voir, il faut venir tôt le matin parce qu'après, il y a du monde qui commence à arriver. C'est chiant.
Pouganac. Perros-Guirec. Rien à voir. Perros-Guirec. Perros-Guirec, on va au chantier des douaniers. Au sentier. Sentier des douaniers. Là, on a, bah, en fait, on va passer, il est midi 23. On est bien. Là, là c'est l'après-midi de toute façon. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, on va aller jusque là-bas et revenir. Ouais. Putain, enfin, ça va être... jusqu'au sentier. Au sentier, t'as 4 km, mais on fait pas les 4 km, je crois. On arrête un peu avant et après, on vient. Ok, donc ça va être pas mal aujourd'hui. Demain, les jambes, elles vont être violentes. Espérons qu'il pleuve pas. On a pris les ponchos. Allez, on est parti. Ça fait 5 minutes qu'on est parti, on est déjà arrêté. T'inquiète, on va faire ça. Aurélien va prendre sa galette saucisse. Une bonne crêpe complète. Oh, il se régale avec sa crêpe. Sa crêpe saucisse. Ah, il est lundi à l'Evroli. Je curieux, pas content. Magnifique. Allez, on est parti pour combien, 4 km là, t'as dit? Non, on peut pas à fond. Hein. Ah ouais? Bah, on va jusqu'au phare quand même. Ah oui, mais je t'ai dit, tu m'écoutes pas parce que t'as. Ah, attends, oui, il est en train de. Le trajet complet, c'est 4,5 km. Ah, ouais. On s'arrête au phare. Ouais, c'est ce que je te disais. Que des sentiers. Donc nous on est ici, on doit marcher là. Bon, je fais tomber du matos. Je vais marcher là. Bon. Je fais tomber du matos. Ah ouais, c'était des kilomètres, c'est comme ça. Je pense que maintenant il est temps pour nous de repartir. On a une bonne heure de marche, une bonne heure et demie. On va repartir tranquillement. Et puis ça va, on n'a pas pris la flotte. Et puis on va reprendre la route tranquillement, je pense. Là il fait bon, c'est agréable. On avait pris le blouson, le ciré, ben, tranquille. Là il n'y a rien à dire, c'est vraiment, vraiment magnifique. Il y a des endroits, mais de ouf ici, c'est vraiment... C'est vraiment super agréable d'être ici en Bretagne. Je ne regrette pas un instant. C'est de la folie. Bon, on a quasiment terminé, il commence à pleuvoir. Là, je suis au bout de ma vie. Ça commence à être un peu violent pour moi, j'ai plus de... C'est mon dos surtout. Mon dos, il est explosé. Ok, pour monter jusqu'à la voiture, il y a bien... Il y a 2 km. 2 km encore à faire jusqu'à la voiture. Waouh.
quand même. Bon, si je peux choper une gage, j'en bouffe une, je te le dis. Et c'est toi qui payes. Un peu aussi. La bonne récompense après cette marche. Oui, elle s'en fout. Elle peut marcher des heures et des heures. Elle n'a rien à foutre. 20 km. Allez, refais un tour, vas-y. Fais un tour. Hop, elle remet des réserves. Je fais le plein. Enfin arrivé. J'y croyais plus. Et là, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi, aussi claqué que ça. J'ai trop hâte de me poser dans la voiture. Pas trop traîner, on va aller au Super-U. Ouais, au Super-U, ouais, super. Parce qu'on a rien à manger pour ce soir et demain matin. Donc on va pas traîner.